fait de la sauce Worcestershire. OK. Vinaigre de cidre, tabasco si tu en as au goût, n'importe quoi d'épicé un peu. Moutarde, moutarde en pot. Alors, coucou tout le monde. Coucou les amis. Incroyable. Manon qui vient en Bretagne. Alors, on se retrouve ici, on s'est déjà vu un petit peu. Oui. Hein? On a déjà mangé ensemble, je vais vous mettre quelques petites vidéos. Ce fut un après-midi merveilleux. Ouais. On l'aurait fait durer 24 heures, ouais. Je pense qu'on n'avait plus. Alors du coup, on se revoit. Ben, c'est surtout que tu es invitée à l'apéro. Oui. Parce qu'elle vient en France, mais elle est invitée partout. Oui. Bon. Et donc Manon avait envie de visiter une usine de... sardines. Pourquoi? J'adore les sardines, ouais. Et je fais partie d'un club de sardines. Oui, dingue, alors, bon, il y a des gens, il y a des clubs de lecture, vous savez, les gens qui se rencontrent pour jaser de livres. Ouais. Mais moi, j'ai été invitée, parce que je suis légèrement gourmande, ouais, à un club de sardines. Et on est 8 copines, et à tous les 3 mois, donc environ, à toutes les saisons, on se rencontre pour un apéro sardine avec des bulles. Mmh. Et chacune rapporte une boîte de sardines de ses voyages qu'elle a découvert à l'aventure et on partage ensemble, ça nous permet d'en goûter plein. Le lendemain, on sent l'huile de sardine pendant... Le lendemain et le surlendemain, je crois bien. On est bourré d'oméga 3, c'est bon pour le teint. Ouais. Et la conserverie La Belle-Illoise, ouais, on n'a pas chez nous au Canada, mais 01. Ah, d'accord. Impossible à trouver. Et tu peux pas, par Internet, tu peux pas commander? Non, du tout. Et comme il y a des boutiques un peu partout dans les grandes villes, partout en France, ouais, c'est devenu comme une espèce d'arrêt obligatoire pour moi, quand je vais à quelque part, d'acheter quelques trucs de la conserverie. D'accord. Mais je rêvais de visiter l'usine pour voir quand ils mettent les petites sardines dans les boîtes. Ouais. Mais donc, bon. On est venu pour ça. Mais... Et puis, en fait, on ne peut pas visiter l'usine. Non. Ils sont pas en production en ce moment. Mais ils n'avaient pas mis sur le site. Hein. Mais c'était pas clair ou c'est moi qui n'ai pas bien donc, lu. Donc, c'est vrai qu'on a fait les deux une heure joué. Et demie de route chacune de notre côté pour se rejoindre ici, avec Thierry qui est derrière moi. Et puis, la maman de Manon, là. Qui fait du shopping. Pff, incroyable. Et qui se demande comment on va faire pour tout mettre ça dans la valise. C'est parce ça. Que c'est quand même lourd. Il faut que ce soit en soute, hein, parce qu'il y a un liquide avec les sardines. Et tu as le droit de ramener au Québec? Oui, mais en soute. Ah, c'est génial à ramener parce que ça coule pas, ça fait pas dégâts, ça se conserve. Mais t'as un certain kilo à respecter quand même, non? Deux sardines. Ah ben oui, c'est ça le problème. Ça, c'est laquelle? C'est citron. Au citron. Que du coup, on déguste. Émietté de maquereau au citron de menton. Oui, ah, oui, ça c'est maquereau, c'est ça. Mmh. Alors? Mmh. Mmh. Alors, moi, mes sardines favorites à la Belle-Illoise, OK, il y a des trucs que j'adore et que c'est immanquable, j'en ai jamais assez à la maison. Celle à déguster chaude au beurre bordier. Ah oui? C'est fou. Donc, on les sort de la conserve, on les met dans un petit pot à long, juste que ça se réchauffe un peu. Mmh. La sardine chaude, c'est magique déjà en partant. Tu le fais moi, au feu de bois? Je le fais au feu de bois. Mmh. Bon, il y a des gens qui disent de ne pas cuire dans la boîte et les émissions, je sais pas, mais bon, bref, c'est génial. Toute sardine qui est un peu réchauffée au feu de bois, c'est vraiment bon. On peut même ajouter un peu d'huile, des herbes. La crème de sardine au whisky, c'est fou. Et il n'y en avait plus depuis des mois et ils viennent de restocker. Et là, il y en a? Il y en a et donc ça, j'en ramène, mais je pense que j'ai une copine qui était en Bretagne ou en France il y a peut-être 3 mois. Je ne savais pas que j'allais revenir, alors j'y avais passé une commande. Mais, et sinon, ben, y a plein de beaux produits. Il y a de la soupe de poisson, il y a plein de trucs, mais c'est de choisir qu'est-ce qu'on peut ramener. Ben oui. Puis il y a d'autres sortes de sardines, évidemment, en Bretagne. Tu sais, donc, mais j'aime beaucoup. Je trouve que c'est comme un magasin de bonbons ici. Tout est coloré, tout est beau. Les emballages sont super chouettes. Il y a des boîtes à des beaux cadeaux. Il y a beaucoup d'efforts. Ouais. C'est des beaux cadeaux de Noël. Ça fait des super beaux cadeaux pour les gourmands. Il y a même un petit sac à mettre sous le sapin. C'est marqué. Hier, j'en ai acheté un. Sous le. Comment ils disent ça? En tout cas, sous le sapin, un petit sac à sardines, c'est vraiment mignon. Ouais, super. Bon, ben, vous l'avez compris, hein, quand Popote et Manon se rencontrent. De quoi ça parle? De bouffe. des passionnés, hein? Ouais, c'est clair. C'est tellement bien. On n'aura pas le temps de partager beaucoup de recettes ensemble, de cuisiner ensemble. On a fait le poulet. Toi, tu m'avais mis au défi de faire le poulet à la bascaise, qui était délicieux. Et on avait fait le surf and turf, avec Thierry et Lionel. Omar et le steak. Ouais. Ah, c'était bon, ça. C'était bon. Vous ne connaissez pas, c'est super. Mais là, j'ai un défi pour toi. Ah bon? OK. Donc, pendant qu'on est ici, chose qu'on ne trouve jamais chez nous, c'est les Saint-Jacques dans leur coquille. Oui. Alors là, on va aller bouffer, puis tu vas m'expliquer comment cuisiner les Saint-Jacques. Ah, génial. Bon, on en reparle. D'accord. Okay. On en reparle au resto, alors.
tout de suite. On vous aime. Alors, amis Kiki, à ses amis, vraiment, continuez à regarder et à suivre chez Popote et Potager, parce que pareil. Je pense qu'il y a 900 vidéos à rattraper. Alors, si vous n'avez rien à faire pendant le temps des fêtes, il y a de quoi vous inspirer. Si vous vous cassez les deux jambes. Bon, allez, on goûte les sardines. On goûte les sardines. OK, à tout à l'heure. C'est quoi que tu fais, Manon, là? C'est une salade de poulpe. Ouais, que j'ai fait griller. T'as trouvé où ton poulpe, il n'y a pas du Québec? Non, elle vient de la Bretagne. Et on l'a acheté au marché de guerre il y a quelques jours, en fait. Oui. Et il l'a fait pré-cuire et c'est vraiment pas cher pour les Québécois. Là. C'était pour nous, c'est... Voilà, donc je l'ai fait griller un petit peu sur les braises là-bas, juste pour lui donner un petit... la réanimer un peu. Et là, je la fais en salade et on verra. On verra. De confiance. OK, alors, Sandrine m'a montré comment faire les châtaignes grillées sur le feu de bois en Bretagne. Mm-hmm. Bon, on est fin de saison, elle m'a dit. Et pareil. Ah! Oh yeah, c'est pas loin, c'est pas loin! Ah. C'est qui est jaloux? C'est Lionel. Mon chéri, chérie bête, t'es à la maison. Puis on a essayé d'en faire à la maison, mais c'était pas un succès parce qu'il nous manquait Sandrine. Mm. Ouais, mais du coup, Manon, elle est pas venue toute seule hein, en France. Elle est venue avec sa maman. Ah oui. Qu'elle appelle gentiment Maman Bête. Non, oui. C'est la bête mère. La bête mère. C'est la gourmande originale. Ah oui, celle qui ah oui, ah oui. Sur le feu bien avant moi. Ah oui. Et qui m'a donné l'appétit. La génétique de l'appétit et de la gourmandise. Ah ouais, c'est chouette. Ma cuisiner, ah, tu l'as bien eu, hein? Ouais, j'ai bien eu. Ah, tu l'as bien réussi. Tu l'as attrapé, hein? Tu l'as bien réussi, oui. Mais c'est une bonne maladie. C'est un bon virus, ouais. On adore. Ouais. Et du coup, là, on est ensemble, on est à Carnac. On les a emmenés voir les alignements. Ouais. Impressionnant, hein? Oui, hein? Incroyable. Et puis, il fait beau en plus. Ouais, on a de la chance. Magnifique. Il y a même des petits moutons qui, ouais. qui relaxent entre les menhirs. Ouais. Il manque Obélix. C'est la totale. Je suis pas loin, je suis pas loin. Ils sont trop petits pour Obélix. Pour lui, c'est un petit caillou. Eh bien, je t'ai dit, pour ceux d'Obélix, il faut que tu ailles à Monteneuf. Ouais. Hein? Une petite halte au restaurant. On a trouvé un petit resto à Carnac, super Mimi. C'est beau, hein? Le ratatouille. Moi, je veux le poule. Une espèce de poule là avec les pattes. Ah oui, oui, oui. Là et là. Je veux ça pour ramener à la maison. Aussi. C'est le roux qui va partir le bal, donc ça va te prendre une bonne quantité de roux. Restaurant fromageengrain.fr, quelque chose du genre. Et il vous livre à la maison. Fromage en grain, j'avais vu ça, France. Je sais comment je peux pas. Livré. Je pique ses recettes. Cuisine, santé, à la Bretagne. Ils ont déjà le salade de saucisson de morteau et pommes de terre tièdes rissolées. Ça sent trop bon. Oh oui, ça sent le bonheur. Ça sent le paradis. Chèvre chaud. Classique. Classique. Classique et tranquille. Petite salade de chèvre. Mais il est bon le chèvre, hein? Merci. Okay, et Francine, qu'est-ce que tu as pris? Et moi, j'ai choisi le plat du jour qui est le bœuf... Parmentier. 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 La purée de la viande. Ah, c'est magnifique. On est pas en Grèce, là. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Et la suite de la chanson, ma grand-mère et mon grand-père avaient l'habitude de coucher nu. Ma grand-mère était carnassière, elle a mordu pépé au cul. Bon, on la connaît pas. Bah oui. Quand t'es breton, t'apprends toutes ces petites chansons, hein, c'est normal. On va être obligé de se quitter ici. Ah oui. Ben oui, parce que les filles vont rentrer au Québec quand même. Oui. C'est ça. La neige. Il y a la famille là-bas. Ah, pour la mer, pour la neige. Pour les fêtes de Noël.
donner ça. Et puis de toute façon, ben, on se revoit vite. Hein. Ah oui. Hein? Il faut. Ouais. Alors sûrement c'est nous qui viendrons cette fois. Oh. Puis on va revenir de toute façon. Tu reviendras avant. Ouais. C'est possible. Espérons. Si on croise les doigts. Ben, merci c'est Sandrine. Merci Thierry. Merci à vous deux. Oh, des amours. Un gros hug. C'était trop bien. Group hug. Ouais, trop bien. Ouais. Salut tout le monde. Salut les amis. Et puis, pensez à aller faire un tour sur la chaîne de la petite bête quand même, parce qu'elle fait des recettes qui sont hyper sympas. Hyper gourmandes. C'est gentil. Comme on aime. Devenez un kiki. Ouais. Bisous à tous.